Mon frère a disparu il y a quelques jours. J'espère que la personne qui vit ici peut m'aider. Hey, go ahead. Descends. I'll meet you down there. Je te rejoins en bas. What? C'est quoi ce guet-apens? Que tu réduis d'un thé. Oupsie. I drugged you. Je t'ai drogué. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Excuse Me Sir. Donc c'est une démo, c'est une personne que je suivais sur TikTok. Elle faisait beaucoup d'animations comme ça et là elle en a fait un jeu. Et je suis vraiment content parce que c'est ce que j'attendais. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Ok. Mon frère a disparu il y a quelques jours. J'espère que la personne qui vit ici peut m'aider. Donc là c'est nous qui parlons. Donc on a des objets peut-être. Ok, donc notre frère George Fly, comment ça marche? Donc vous allez voir, c'est grave stylé l'ambiance du jeu. Oh, il y a quelqu'un qui arrive maintenant. Hey, who are you? Donc vous avez vu l'animation, elle est incroyable et c'est ce qui fait tout le charme. Donc vous allez voir. Hey, qui es-tu? Donc là on a plusieurs choix à chaque fois. Est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Est-ce que vous avez vu mon frère? Et là on lui montre le flyer. He looks familiar. Let's go inside and ask my friend. Rentrons à l'intérieur et demandons à mon ami. Normalement on rentre pas comme ça chez les gens. Ok. Let me tell them you're here. Ok, donc c'est Molly qui nous parle. Laisse-moi leur dire que tu es ici. Meet yourself at home. Fais comme chez toi, ok. Donc, soit on va en arrière, soit on va à gauche, soit on va à droite. On va regarder à droite ce qu'il y a. Hein? Un tournevis. Est-ce qu'on prend les objets des gens comme ça? Oui. Comment on aurait un tournevis? Attendez. Ok, ça s'est refermé, je voulais être sûr. Derrière moi, il y a quoi? À gauche, il y a quoi? Congélo. C'est quoi? Un coca et de l'eau. On va regarder les emplacements. Je vais pas prendre n'importe quoi non plus. Et... qu'est-ce que... je peux prendre quelque chose ici? Non. Ok, y a rien. On va aller en arrière. La porte est verrouillée. What? La porte est verrouillée? Oh, c'est pas bon ça. Ok. Cuisine. Great. Bien. They're in the basement. Ils sont dans le sous-sol. Follow me. Suis-moi. What? C'est quoi ce guet-apens? Ok. Go ahead. Descends. I'll meet you down there. Je te rejoins en bas. Les gars me fait flipper. Don't worry. Ne t'inquiète pas. I'll call the sheriff. J'ai appelé le shérif. Ok. Ok. What? Mais qu'est-ce que je fous dans un sous-sol là-bas? Je suis censé aider mon frère. C'est horrible. Ah! C'est son ami. Bienvenue. On t'attendait. Est-ce que vous avez vu mon frère? Qu'est-ce que vous faites ici? Je pense que lui, il a vu mon frère. On va leur demander ce qu'ils font ici. Non, on va... eh, je sais pas, on est mort, je pense. Mais vous avez vu mon frère? Je ne pense pas que nous l'ayons vu. Mais on peut demander aux autres membres s'ils l'ont vu. Mais avant, on doit prier. Suis-moi. Ok. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils font? Les gars, on est tombé dans un culte, on est mort. C'est la fin. C'est quoi ce truc, hein? As our newest member, en tant que nouveau membre, have to perform the prayer. Tu dois performer la prière. Ok, on doit prier, les gars. Trace the outline on the floor. On doit tracer la ligne sur le sol. Le contour? J'ai peur. J'ai peur. Les gars, ils vont faire des trucs bizarres, c'est même pas satanique. C'est un insecte que je suis en train de dessiner. Est-ce que le contour est bon, vous pensez? J'ai un peu dépassé. Ouh, c'est du bâclé, ils vont pas me prendre. Je vais pas avoir la carte de membre, je pense. Allez. Hop là, c'est un peu bâclé. Est-ce que je dois faire le centre? Je pense que je dois faire le centre. Là, pardon. Erase. C'est pas grave. C'est... ah! Good. Now, what? You'll bien. Need to maintenant sacrifice. Tu dois faire un sacrifice. Les gars, je vais sacrifier un cochon. Il est horrible. Je suis désolé. Ça se trouve, c'est notre frère. Pardon. Ah! Est-ce que ça a fonctionné? What? Oh oh. Je sais pas si je fais quelque chose de bien ou de mal. T'es un idiot. Tu l'as mal fait. Oh oh. Oh mon dieu.
l'heure d'aller. Allez, on se tire. Mais non, je me suis trompé de côté. Je me suis caché dans la machine. Oh, le plouc. J'ai fait n'importe quoi. Elle est en train de sentir. Oh mon dieu, non. Mais pourquoi j'ai pas essayé d'échapper? Ok, elle m'a trouvé. Les gars, c'est incroyable. Donc, ending 2 sur 3. Ah, on peut recommencer de là. Ok. Donc, c'est quoi? Ok, on monte. On monte encore. C'est des marches piégées, ça, non? Là, c'est fermé. Je pense. Non, c'est ouvert, c'est bon. On se tire. Devant, derrière. On va tenter là. Couloir. Attendez, bedroom. Je fais quoi dans la bedroom? Y'a rien à faire. Ok. Ici, cuisine. On continue. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, c'est compliqué. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, je suis dans une chambre. Sous le lit. Vous pensez qu'elle va me trouver? Oh non, elle m'a encore reniflé, elle est trop forte. Non, elle m'a pas... Elle m'a pas trouvé. C'était tellement proche, j'ai trouvé moyen de m'en aller d'ici. Ok. Sors, j'ai peur. Là, j'ai peur de sortir. Living room. Je vais où? Living room encore. À droite. Y'a rien à faire ici. Living room, on revient en arrière. J'suis en train de me perdre. Living room. Là, on n'est pas allé tout droit. C'est ça? Ok. On n'y est pas allé. Yes, y'a quoi là-dedans? Je me suis caché là-dedans. Ok, dans le placard. Mon dieu. Ah, me renifle encore. Oh oh. Je suis mort. Elle m'a encore trouvé. Ok. Bedroom. Kitchen. Living room. Living room. Living room. Couloir. Tout droit. Qu'est-ce qu'on a à gauche? Ok, je suis dans la baignoire. Derrière le rideau. Elle va me trouver. Oh mon dieu, mais elle est horrible! Je suis encore mort! On recommence! Bathroom. À droite, y'a quoi? Derrière le miroir? What? Y'a un tunnel dans le. Allez, c'est go, go, go! Y'a un tunnel derrière le miroir? J'espère qu'il n'y a pas de démon. Ok, on s'est échappé! On s'est échappé, les amis! C'est la fin de la démo! On a eu deux fins! Donc regardez, il y a même Trevor Anderson, le papa de Siren Head, qui a travaillé là-dessus. C'est grave stylé. On va recommencer, on va faire les choix qu'on n'a pas fait. Ok, c'est reparti. Donc mon frère a disparu. Ok, il y a quelqu'un qui arrive. Hey, who are you? On va lui dire, est-ce que je peux utiliser ton téléphone? Sure. Bien sûr. Come inside. Viens à l'intérieur. Ok, c'est toujours pareil, dans tout cas on va à l'intérieur. Now let's ask my friend if they've seen your brother. Maintenant on va demander à mon ami si... Hein? Maintenant on va demander à mon ami s'ils ont vu ton frère. Je lui ai jamais parlé de mon frère. Je lui ai demandé un téléphone. Non, j'ai besoin d'utiliser le téléphone. Why don't I call the sheriff and ask about your brother? He's a good friend of mine. Pourquoi est-ce que j'appellerai pas le shérif et j'appellerai à propos de ton frère? C'est un bon ami à moi. Les gars, vous avez vu? L'embrouille, je lui ai même pas parlé de mon frère, hein. Et elle m'a parlé de mon frère. Déjà, c'est louche. Tournevis, j'ai jamais compris à quoi servait le tournevis encore. Peut-être qu'il a servi pour le miroir et que c'était pas explicitement G. I'm waiting for you. Je t'attends. In the living room. Dans le living room. Ok, j'arrive. Laisse-moi fouiller. Ah, elle est là. C'est différent, regardez. Je me barre. What? Je suis en train de visiter des pièces au pif. La porte est verrouillée. Ok. Donc ça, c'est le basement. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah, il y a un sac. Hein? C'est la carte d'identité de mon frère? Donc il est là? Ou du moins, il était. Où est-ce qu'il est maintenant? Les gars, elle sait où est mon frère, hein? Bizarre. Aucun de ses habits ressemble à ceux de Molly. Aucun d'entre eux sont de sa taille ou de son style. À qui sont ses habits? Et où sont les propriétaires maintenant? Les gars, on en a trop vu! On en a trop vu! Ah! Oh oh. Like my outfit? Tu aimes mes outfits? En écu. Let's play a
Jouer un jeu. This game only has one rule. Ce jeu a seulement une seule règle. I always win. Je gagne toujours. C'est ça son jeu? Ça a l'air cool. Où est-ce que t'as eu ce sac à dos? My friend gave it to me. Let's ask him. Mon ami me l'a donné. In the basement. Demandons-lui dans le sous-sol. Ok, demandons à ton ami. Non, j'appelle le shérif. You're stubborn. Elle m'a dit que j'étais têtu. I like that. J'aime ça. Ça me fait peur. Il y a... Oh mon dieu. Elle a dit qu'elle gagnait toujours. Voilà, la engine qu'on n'avait pas. Molly gagne toujours. Oh les gars, ce jeu était incroyable. Living Room, on va lui parler. The sheriff will be here soon. Le shérif sera bientôt là. Donc là, on sait pas pour la carte d'identité. Come. Viens. Sit down. Assieds-toi. Elle est horrible. Oh mon How dieu. About some nice tea? Que dirais-tu d'un bon thé? Ok. I made it myself. Je l'ai fait moi-même. Non, je n'ai pas soif. Ok, bien sûr. Les gars, ce serait bien de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Non, merci. I've been so lonely. J'étais tellement seul. Ok. I could use some company. Peux-tu utiliser un peu de compagnie? Want to go to my room? Tu veux aller dans ma chambre? Ok, ça a l'air fun. Je suis pas dans le mood. I'm bored. Je m'ennuie. Let's go ask my friend if they've seen your brother. Demandons à mon ami s'ils ont vu ton frère. In the basement. Ils sont dans le sous-sol. Ok. Non, je vais attendre le shérif. Ça serait cool. On va attendre le shérif. How about some nice tea? Que tu réduis d'un thé. Je veux pas de thé. I made it myself. Les gars, on le boit, il est empoisonné, c'est sûr. Ou sinon, on va s'endormir. Ok. Oupsie. I drugged you. Je t'ai drogué, non. Je savais, je l'avais dit. Oh oh. What? Bah, on n'a pas eu le choix, du coup. Great. Salut. On le connaît. Vous avez vu mon frère? Qu'est-ce que vous faites en bas? Just a like-minded group of individuals. Ok, c'est juste un petit groupe d'individuels. Like, est-ce que tu veux nous rejoindre? Ils connaissent peut-être quelque chose à propos de mon frère. Je devrais les rejoindre et gagner leur confiance. Oui, je voudrais me rejoindre. Non, je cherche mon frère. Est-ce que vous l'avez vu? On va les rejoindre. On connaît. C'est quoi? On va faire un dessin n'importe quoi. Oh, là, c'est... oh, c'est du bâclé. Ah, ils vont me buter. Je pense là, on est bon. Ah non, mais c'est eux qui décident quand c'est bon. C'est ça, quand c'est bon. Good. J'ai pas le choix. Now, you'll meet. Eh, désolé, petit cochon. Ok, ça, on l'a déjà vu. En tout cas, c'est grave stylé. Ok, cette fois, on va fuir bien. Je me tire, l'heure de partir. Allez, maintenant on sait où on doit s'enfuir. En haut. Encore. On se tourne. Derrière nous. Là. Au fond. Au fond. Ça c'est le closet. Ici. 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 Et on s'échappe. Yes, donc on l'a fait. Ok les amis, on va faire les choix qu'on n'a pas fait. Je bois pas santé Mochi. Non, j'ai pas soif. Ok. Donc là, on va céder à ses avances. I could use some company. Ok. Want to go to my room? Ça a l'air fun. Give me a minute. Donne-moi une minute. Ok. Ah, mais ok. Vous savez pourquoi il fait ça? Pour qu'on voit son sac. Le sac de notre frère. On s'est fait avoir. Regardez, si je vois le sac, j'étais pas censé le voir tout à l'heure. J'étais censé le voir ici. Et là. Oh oh. Et du coup, c'est plus logique, on la voit changer de vêtements, d'accord. Donc, jouons un jeu. Son jeu a une seule règle. Donc, on va pas lui dire le truc de notre frère, on va dire ça a l'air cool. Réponds à ça pour un prix, ok. Combien font 6 x 9 plus 6 plus 9. Donc il y a toujours la priorité aux multiplications, les amis. 6 x 9, ça fait 54. Plus 6, ça fait 60. Plus 9, ça fait 69. Donc c'est correct. Maintenant, voici ton prix. Et vu qu'elle a dit qu'elle gagnait toujours. Ok, on pourra jamais s'en sortir avec elle.